السلام عليكم في هذا الفيديو غادي نصحح هذا ليكزيرسيس هذا ليكزيرسيس فيه 8 ديال لي واحد 1 2 3 خمسة ستة سبعة اذا حاولوا تخدموها قبل ما تشوفوا لا كوريكسيون نبداو بالسؤال الاول سوا ا ان اي ام ان اون لو 10 ام centre du système pondéré A2BMC-M. L LOL justifie l'existence de G indice M. Le barycentre existe si la somme des poids est différent de 0. Et dans ce, -ce on, a, on a la somme des poids est différente de 0. On a 2 plus M plus moins M égale 2. Et 2, bien sûr, est différent de 0. Donc, la somme de plus M plus moins M est différent de 0. Donc, le bar et centre, le système pondéré, existe. Reding d'où l'existence de g indice m. Nous avons Calculez le vecteur a g indice m en fonction du vecteur c, b et m. En la propriété caractéristique du varicentre, on a. Quel que soit M appartient le plan P, la somme des poids de plus M plus moins M fois le vecteur Mg, G indice M bien sûr, égale 2 fois le vecteur m a plus m fois le vecteur m b plus plus moins m et moins m fois le vecteur m c. là on le vecteur a moins 10 m et donc on va dire m b a. on ne peut pas dire m b a, car on a quel que soit m. donc 2 plus M moins M, il est 2. 2 M radin à droite, à A. A, gm Le vecteur A, G indice M égale M radin à A. 2. Le vecteur AA, c'est le vecteur nul. Plus M, le vecteur AB moins M le vecteur AC. Alors, deux fois le vecteur AG indice M égale M fois le vecteur AB plus M fois le vecteur CA. Donc, a, le vecteur A G indice M égale M sur 2, j'ai besoin de le 2, j'ai besoin de le de l'autre c'est a le vecteur CA plus le vecteur AB, la relation de Charles c'est le vecteur CB. Donc, nous avons le vecteur A G indice M en fonction du vecteur CB et M. On déduit l'ensemble des points G indice M lorsque M varie sur R. On a d'après la question précédente le vecteur A G indice M égale M sur 2 fois le vecteur CB. Le point G indice m appartient à la droite qui passe par le point A et qui est parallèle à la droite CB. Fais le point m varie sur R, le point G indice m varie à la droite A. Donc l'ensemble des points G indice m lorsque m varie sur R, il y a la droite. Passant par le point A et parallèle à la droite CB. Donc, right l'ensemble des points G indice m lorsque m varie sur R est la droite passant par A et parallèle À la droite CB. Nous allons la question 4A. On prend M égale à 1 et on considère le plan rapporté au repère A, le vecteur AB et le vecteur AC. Déterminer les coordonnées du point G indice 1. Et le alpha ou beta tel que le vecteur a g indice 1 égal alpha fois le vecteur ab plus beta fois le vecteur ac le couple des coordonnées du point g indice 1 rيكون à الساعه on alpha beta bien la بينافسه ال on a 2 fois le vecteur ag indice m égal m fois le vecteur ab moins m fois le vecteur ac et là, on va revenir à M1 et on va à l'égalité que l'on a Donc, d'après 2, on a 2 fois le vecteur HG indice 1 égale 1 fois le vecteur AB moins 1 fois le vecteur AC. Donc, le vecteur AG indice 1 égale 1 sur 2 fois le vecteur AB, moins 1 sur 2 fois le vecteur AC. Tout les coordonnées du point G indice 1 au moins 1 sur 2. Moins 1 sur 2. Question 4b. Montrez que x moins y moins 1 égale à 0 est une équation cartésienne de la droite B g indice 1. Pour nous donner une équation cartésienne d'une droite, nous allons dire que nous avons les coordonnées d'un vecteur directeur ou les coordonnées d'un point qui appartient à cette droite. هنا مثلا نحددوا لي كوردوني ديال لو فيكتور 1 اون ا بي جي 1 لو فيكتور بي جي 1 هنا لي كوردوني ديال جي 1 اه وعندنا لي كوردوني ديال بي لي كوردوني ديال بي عندنا لو ريبير وله A، ا بي C. Les coordonnées du point B, Roma, 1, 0. Les coordonnées du point G1, ça va sur L, 1, 2, 1 sur 2, moins 1 sur 2. Et dans les coordonnées du vecteur B, G indice 1, Roma, in les coordonnées du G indice 1, moins les coordonnées de B. 1 sur 2 moins 1. Ou moins 1 sur 2 moins 1. Et dans les coordonnées il y a le vecteur BG indice 1, on a moins 1,5 moins 1,5. Donc le coefficient directeur de la droite BG indice 1, roi 1, moins 1,5, demi est moins 1, demi et 1, 1. Donc, une équation cartésienne de la droite BG indice 1, y égale à la coefficient du recteur, roi 1, fois x, plus b. Ou est B que un les coordonnées d'un point qui appartient à la droite BG indice 1 fait l'équation. On a par exemple B appartient à la, à la droite et comme B les, les coordonnées de la roma 1 0 appartient à la droite BG indice 1, alors dans l'équation, on a y égale x plus b, x rayin à ordre 1, y résinaudore 0. Alors 0 égale 1 plus b, donc b égale moins 1. Donc b, b égale moins 1. D'où y égale x moins 1 est une équation cartésienne de la droite bg indice 1. Le coefficient directeur est 1 et b est moins 1. Conclusion, on y la taraf, x moins y moins 1 égale à 0 est une équation cartésienne de la droite bg indice 1. Question 4C On déduire le couple de coordonnées du point d'intersection de la droite AC avec la droite BG indice 1. On a l'équation cartésienne de la droite BG indice 1. On a l'équation cartésienne de la droite AC. L'équation cartésienne de la droite AC on a le plan A. Le vecteur AB, le vecteur AC. Donc, l'équation cartésienne de la droite AC, il y a x égale à 0. Et dans le cas, on a x égale à 0. Et on a x égale à 0, c'est l'équation cartésienne de la droite AC. L'équation cartésienne de la droite BG indice 1, il y a x moins y moins 1 égale à 0. Équivaut x égale à 0. Y rédigeable à tablef. Et vous voulez y égale x moins 1. X égale à 0. Donc y égale moins 1. D'où le couple de coordonnées du point J. 0. Moins 1. 0-1 Question 4d Soit i le point d'intersection de la droite AB avec la droite CG indice 1 Montrez que i est le centre de gravité de JBC Le triangle jbc wada. Le point i d'intersection de la droite AB avec CG indice 1 y mais que I est le centre de gravité de ce triangle il faut que il A est le milieu de segment et que G indice 1 est le milieu de segment et enna, ou, de A est le milieu du segment JC et que la droite AB est humidien pour ce triangle. NFC pour la droite, c'est G indice 1. Réconti à voir pour ce triangle. Et comme on, connaît, on a le centre de gravité d'un triangle ou à l'intersection de ces médians. On a déjà analysé les coordonnées du point C ou le point B ou le point J. Et dans l'amaradique, et le couple des coordonnées du point milieu du segment, on a dit A. Qu'est-ce que le segment On a dit le point milieu du segment JB, il G indice 1. Le couple des coordonnées du milieu segment coordonnées du milieu segment JC est 0. Plus 0 sur 2, il y a 0. Moins 1, plus 1 sur 2, il y a 0. Donc, le point milieu du segment GC, ou le point a, il y en a, les coordonnées de point A, on a 0, 0. Le couple de coordonnées du milieu du segment BJ est. 0 plus 1 sur 2, il y a 1 sur 2. Ou moins 1 plus 0 sur 2, il y a moins 1 sur 2. Donc, le point au milieu du segment BJ est G indice 1. On a, on a le point G indice 1, les coordonnées de Gala, 1 sur 2, moins 1 sur 2. Conclusion, I est le centre de gravité du triangle GBC. Tahiyati, on a le une vidéo à cadu.